Eh bien oui, le transhumanisme, ça part, mais non, c'est trop bonheur, ça rame sec. Tu vois, c'était ça. Conférence sur le transhumanisme. Donc, conclusion. Éclairer mes éléphants, on voit rien du tout. Eh, faut pas flipper parce que ceci, cela, des incantations ou quoi que ce soit. C'est un téléporteur, un cyclotron mural. Bon, tout ça pour dire quoi, la conclusion? Ils ont à peine parlé d'âme, ils n'ont pas beaucoup parlé d'espace-temps. Enfin, c'était bien. Franchement, c'était bien. Bon, faudra monter le film. Ça va être un pulse. Voilà. C'était pas mal, quand même. Le Toubib, en plus, c'est celui qu'on entendait le mieux. Celui-là du fond, on n'entendait pas bien. Les deux là, sur noir et le tout bim. Quoi que l'autre, on entend, je suis de gauche. Bon, tout ça pour dire qu'ils sont pas trop loin. Bon, moi ce que je voulais dire à la fin, il n'y avait plus le temps pour les interviews ou les machins, puis j'avais plus de batterie, plus de mémoire. Moi ce que je voulais dire, c'était que dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps, eh ben, l'intelligence artificielle, elle commande déjà sur Terre. Et vous êtes numérisé là. Enfin, pas vraiment, mais. Vous êtes des codes barres, des numéros de sécu, des numéros de carte. J'ai expliqué au mec, bon, vous avez la carte, mais pas l'entité. Pour dire la carte d'identité. Et je voulais dire que ça me gêne éthique. Parce qu'il parlait de génétique aussi, les prothèses, les machins, tout ça là. Tu vois le truc? Bon, on voit rien. On voit jamais rien dedans. Tu vois le truc? Ton, Dark Vador, ton. En fait, ils sont déjà numérisés. C'est des protocoles. Alors moi, mon truc, c'était parce que. C'est parce que les processus que les protocoles. Bon, un peu dégueulasse. Mais c'est pour ça que les procédures. En fait, la loi des hommes, c'est n'importe quoi. C'est des lois d'oligarchie, là, de féodaux, là, plutocrate de mes deux. C'est les costards-cravates, là, les dents Colgate. Là, ça va couper le fillon, finalement. C'est le fillon qui l'a coupé, mais il se fait couper aussi. Hein, comme ça. Donc, ça va couper le fillon, finalement. Oui, j'avais raison. Ben ouais, moi, je suis toujours en mode demi-soussoche, tu vois. De retour du Jedi, parce qu'en fait, comment dire, c'est pas l'Empire contre-attaque, c'est plus l'Emprise contre-attaque. J'étais condamné sous l'Empire et sous l'Emprise, j'avais rien compris, et même pas un avocat il sait m'expliquer. Et maintenant c'est l'Empire, L'AN. C'est là où je dois intervenir. C'est ce qu'on... Ils ont parlé de plein de films de science-fiction aussi, cela. Mais ils n'ont pas dit, par exemple, Blade Runner, le réplicant, l'armée des 12 singes, Men in Black, les machins comme ça, tu vois. Bon, par contre, il y avait des bons bouquins. Pareil, il n'a pas parlé de Barjavel, Le Voyageur imprudent, Ravage, La Nuit des Temps, le seul livre du monde où je me suis évanoui à la fin. Tellement je suis rentré dans l'esprit du livre. C'est un truc de fou, quand même. Et alors là, je téléporte. C'est comme la mouche. Et là, putain, une mouche dans le télépode, c'est la merde. Tu vois? Alors là, ça rame sec. J'ai plus de... Je pense que je dois avoir 3 gigas. Il y a 1h15 à transvaser. Oh, putain, il va faire jour. La vitesse que ça va. Bah, après, vers 3h du mat, bon, on va dire que la connexion, elle accélère un peu. Les réseaux doivent être moins encombrés. Après, ça va plus vite. L'idéal, c'est quand ça met une minute, la minute. Ça, c'est quand tu as la bonne connexion. Mais tu peux avoir l'ordinateur de. Un D2R2, c'est un dinosaure. C'est comme mon iPhone, c'est un des premiers. On me l'a donné.